Ce résumé vous est présenté par Heineken et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Et déjà un match haché avec déjà pas mal de fautes. Celle-ci sur Yannick Carrasco. Voici les deux Diables Rouges qui se croisent. Carrasco buteur d'ailleurs contre l'Estonie avec les Diables. Qualifié bien sûr pour la Coupe du Monde. Yannick Carrasco était bien là aussi. Et allons, allons, avec une bonne déviation. Et Carrasco déjà à l'œuvre. Un premier centre et un premier but. Non, quel arrêt de Tatarajalou. Lui, il doit une fière revanche à ses coéquipiers parce qu'il a commis une petite bévue ce week-end. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais quelle intervention déjà du gardien roumain. Avec ce long ballon, l'excellente déviation de Suarez. Il y avait un petit hors-jeu, effectivement, d'une jambe. J'ai l'impression pour l'ancien joueur de Monaco, notamment. Le centre impeccable, là. Et l'Atlético qui peut repartir. Attention, long ballon. C'est Romagnoli qui sort de position là avec Carrasco qui garde cette balle avec sa couverture évidemment géniale. Il réclame une faute mais l'Atlético a toujours le ballon. Il faut poursuivre Yannick là et la frappe qui va partir, qui va passer au-dessus aussi. Rodrigo de Paul, l'Argentin qui a vu la fenêtre de tir. Griezmann qui passe, ça c'est très dangereux. Griezmann qui se rapproche, et non. Au premier ballon, Carrasco avait plongé pour venir dévier cette balle. Première zone. 65e minute de jeu. Ibrahimovic donc. Et ça c'est une mauvaise nouvelle évidemment. Ce n'est jamais une bonne nouvelle, une blessure, mais vu les circonstances effectivement. Voici Zlatan, première touche. Elle est bonne cette balle pour Messias. Messias qui peut donner en retrait. Ça va être but ça. Oh là 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 là. Quel sauvetage. C'est une action pratiquement 100% par les joués, effectuée par les trois joueurs qui viennent de monter. Hein. Et attention, le danger se rapproche. Zlatan, une occasion. Oh là là, quel arrêt de Yann Oblak. Quelle possibilité incroyable. Et vraiment, intervention 4 étoiles là, voire 5. Yann Oblak qui n'a pas eu grand chose à faire dans ce match, regardez. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Je pense pas, donc, de Zlatan en tous les cas. Quelle occasion. Il en a raté quelques-unes comme ça ce week-end, hein, Zlatan. Hein. Quelle possibilité pour Zlatan Ibrahimovic. Et quel arrêt de Yann Oblak aussi. C'est peut-être pas terminé avec Milan Asseki. Et c'est but. Incroyable. 87e. Eh bien comme quoi il faut y croire en foot. Clairement, ça tombe de nulle part ce but. Il y a quelques instants. Et regardez le banc et la tête de Diego Pablo Simeone. Incroyable. Trois grosses minutes, c'est ce qu'il reste. Ce but qui tombe de nulle part véritablement. Zlatan qui loupe une possibilité monstrueuse il y a 15 secondes. Eh bien, le Milan AC, il croit, comme son entraîneur le disait en conférence de presse hier. Hein. Voilà, ça va être difficile, mais peut-être pas impossible. Mais il faut un exploit ce soir, bien entendu, venir chercher 3 points ici au Metropolitano. Ils sont là, les supporters du Milan AC. Et franchement, à 3-4 minutes de la fin, on verra combien de temps additionnel, bien sûr. Et ça continue peut-être pour le 0-2. Zlatan, ça va passer, est-ce qu'il y a faute de la part de Yann Oblak? Quelle possibilité, ça discute
entre Black et Zlatan Ibrahimovic qui était à deux doigts de mettre le deuxième but. Attention, 4 minutes de temps additionnel. Avec maintenant un centre et un but, non ! Quelle incroyable occasion ! Dans les arrêts de jeu, ouais, Correa, très bon centre. Et ce ballon repris et repoussé, je pense, par Dataruzalu qui était battu, je pense. Non, non, il se loupe. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.